Ce sera peut-être le grand soir, celui de la victoire, du plus petit sur le plus grand, du non blanc sur le blanc. On assistera peut-être au retournement de l'histoire, celle qui verra la gloire changer de main, et les presque noirs de destin. Pour utiliser les mots du prix Nobel, on dira que le Maroc est en passe de venger sa race ou de laisser une trace, en tout cas, qui ne s'effacera jamais, une trace sous l'arc de triomphe. Mais de grâce, n'attribuons pas cette possible victoire au hasard, mot ou mal arabe, mais à toutes les forces du progrès qui ont et vont redistribuer les sorts de tous les mal lotis pour retrouver le temps perdu, le paradis perdu. Ah, c'était où déjà? Oui, ah. Poitiers, non? Poitiers, si ma mémoire est bonne. En tout cas, ça va changer complètement la donne. Les porte-bonheur n'ont pas peur de célébrer déjà dans leur cœur la victoire des leurs. Rien que l'éventualité d'une victoire du Maroc sur la France suffit pour renouer avec l'espoir. Ou pour renoncer une bonne fois pour toutes au désespoir. À la désespérance imposée ou composée par la France à ceux qui ne partagent pas ses souffrances. Et si, par chance, c'est le Maroc qui l'emporte. Ce sera, prédisent les uns, la fin de l'intolérance, de l'arrogance, de la suffisance. Mais non, non, disent les autres, ce sera le commencement de l'intolérance, de l'arrogance, de la suffisance. Autrement dit, le résultat ne changera pas le sens de l'histoire. Et quel que soit le vainqueur, quel que soit le vaincu, on ne retiendra qu'une seule chose. Que tout est dérisoire. La puissance autant que l'impuissance, dérisoire et objet de dérision. Que vous le vouliez ou non, il y a un mondial qui a commencé il y a 3 semaines. Les seuls problèmes, c'est avec les supporters après les victoires du Maroc. C'est les seuls. Oh, j'ai failli oublier le petit ro de Pascal Pro, qui n'a pas fini de poser, de reposer la même question. Mais pourquoi ce sont toujours les mêmes qui nous emmerdent? Eh bien, la réponse est pourtant claire. Ils vous emmerdent parce qu'ils sont arabes. Et ils sont arabes parce qu'ils vous emmerdent et vous disent merde. Mais c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas, à un Français qui n'est pas sûr de gagner. Merde.